Vidéo pour vous rappeler que du coup nous avons lancé une nouvelle chaîne YouTube pour des problèmes de référencement du coup et que du coup les vidéos principales longues sont maintenant sur cette nouvelle chaîne YouTube Histoire d'apprendre, donc plus sur celle-là qui sert de chaîne secondaire. Je vous refais ce rappel parce que vous êtes encore 8000 abonnés sur celle-ci, c'est bien, mais vous n'êtes que 600 pour la nouvelle, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% des gens qui suivent, qui étaient abonnés à cette chaîne YouTube, qui n'ont pas vu passer cette information. Et donc, ça me semble important d'essayer d'informer et pour communiquer sur YouTube le plus efficace, ça reste la publication d'une vidéo. Donc, cette information, je vous la redonne. Le lien est en description de cette vidéo et en écran de fin, en note, en fiche, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la nouvelle chaîne. Vous pouvez rester abonné à celle-ci si vous voulez voir notre contenu secondaire, les annonces de nouvelles vidéos, etc. Mais les principales vidéos d'histoire seront maintenant sur la chaîne Histoire d'apprendre. Celle-là, maintenant, s'appelle Apprendre un peu, qui sera plus une chaîne secondaire généraliste où je vais publier des choses différentes. Un peu d'histoire, du coup, les annonces de vidéos d'histoire. Mais si j'ai envie de parler d'autre chose un jour, un sujet qui me passe par la tête, un truc dont j'ai envie de parler, sans qu'il y ait forcément de lien avec l'histoire, ou en tout cas quelque chose, ou ça peut être aussi quelque chose en lien avec l'histoire, tout au moins travailler, ou juste un partage de documents d'archives, en tout cas des choses qui n'ont pas leur place sur la chaîne principale, ce sera publié ici, désormais. Voilà, et j'avais fait une vidéo où j'expliquais vraiment plus en détail les raisons de référencement et tout, qui venaient du fait que cette chaîne était ancienne et tout, donc je vous mets également le lien de la vidéo si vous souhaitez être plus de détails, et n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire également. Voilà, donc au revoir tout le monde.